Salut Sargon! J'ai réussi à aller jusqu'à la haute citadelle. Alors, t'as vu l'aile pétrifiée du Simorgue? Je monte souvent dessus, tout au bout. De là-haut, je peux tout voir et tout. Ce matin, j'ai entendu Anahita qui donnait des instructions à ses guerrières. Puis, elle est partie vers le mausolée de Vishtaspa et elle a pris la nacelle. Elle t'a vu? Elle me fait pas peur. Bonjour. Thank you.
voilà enfin. On se connaît ? On s'est déjà vu souvent, dans le passé et dans le futur. Désolé, le vieux, mais j'ai vraiment pas le temps pour ça. Pas le temps ? Encore heureux que tu n'aies pas le temps. Personne ne possède le temps, Sargon. Tu connais mon nom ? Tu n'as pas le temps, je n'ai pas le temps, personne n'a le temps.
Hassan ne doit plus être très loin. Avance, Hassan. Si tu ne joues pas les héros, aucun sang ne sera versé. Sargon, écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse, Sargon. Je m'en occupe. Merci, Varam. Anahita, de grâce, déposez vos armes. Varam ? Non ! Hassan ! Anahita, qu'est-ce que tu caches ? Comment oses-tu, Varam ? Tu as tué notre prince ! Où est ton honneur ? Honneur, devoir. Nous avons tous du sang sur les mains. Tu n'es pas différente. Je ne convoite pas le trône et je ne m'en prends pas aux innocents. Tant que je serai vivante, tu n'auras jamais la couronne. Très bien. Anahita, va-t'en. Pourquoi t'as tué le prince? Hassan n'était qu'un pion. Tu ne me fais pas confiance? Alors c'est vrai, tu veux le trône. Qu'est-ce que tu comptes faire? Exactement ce que tu m'as appris. Essaye. Chance. Pas cette fois. Donne tout ce que t'as. C'est toi qui as voulu ça, Sargon. Chance. Mon tour. Pas cette fois. Sois témoin. La colère est plus aiguisée que tes épées, Sargon. Il y a une première fois pour tout.
perds ton temps, Sargon. Tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Je peux effacer chaque chapitre, chaque mot de ton histoire. Je peux tout détruire. Je suis le roi légitime. Tu dois l'accepter. Tu peux encore changer d'avis, Sargon. C'est fait. Tu es une arme forgée pour servir la Perse. C'est le plus grand honneur qui soit. N'oublie pas Sargon. Je m'appelle Sargon. Je viens défier en duel le lion blanc de Persépolis. Mais d'où est-ce que tu sors, jeune cutéreux? Baissez vos armes. Général Neit. Reculez. Vous n'êtes pas de taille. Et à qui devrons-nous remettre ton cadavre, jeune homme? Abandonnez-le sur les berges de l'Arras ou dans les plaines de Yazd. Ça m'est égal. Qu'est-ce qui t'amène, jeune guerrier? On dit que vous êtes le plus grand guerrier de toute la Perse. Alors, je viens prouver qu'il n'en est rien. Voyons ça. Tu ne manques pas de bravoure, Sargon, je le reconnais. Et la bravoure est dans le sang des immortels. Je suis encore vivant. Varam, comment a-t-il pu nous trahir à ce point? Kaïs, où est Layla? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ta lame? Pour l'instant, le sol. La colère t'aveugle, Sargon. Hassan est mort. Les immortels ont échoué. Victoire, échec, pourquoi vouloir absolument donner un nom à chaque caillou sur ton chemin? Hé, rends-moi l'œil, c'est le mien.